Non mais tu fais aucun effort. Hein. Vous n'êtes pas belle. T'es vraiment pas drôle. Votre candidature n'est pas retenue. Je m'ennuie avec toi. Et le sourire, c'est en prime? Je t'assure, t'es vraiment trop triste. Je te quitte, tu te laisses trop aller. La clinique du mieux-être. Bienvenue. Ne dites rien. Je vous entends. C'est si clair que ça? Limpide. Et donc? Vous êtes au bon endroit. La première priorité est de voir tel que vous êtes, c'est-à-dire magnifique. Mais c'est faux. C'est vous qui le croyez. Bonjour. Bonjour. Vous avez des cheveux magnifiques. Pourquoi les cacher? Le meilleur est en vous, regardez. Je ne le voyais pas. Bonjour. Bonjour. Vous avez la lumière dans vos yeux. Alors mettez de la couleur dans votre vie. Mais je ne le savais pas. Bonjour. Bonjour. Voilà, le rouge à lèvres qui ne peut que dessiner avec évidence vos belles humeurs. Mais quel joli sourire! Je vous invite à dîner. T'es allé où? T'es magnifique. Vous commencez dès demain. Vous êtes libre ce soir? Tu viendras à ma fête samedi? Ça vous dirait de faire un tour dans mon auto? L'esthéticienne, la magicienne du mieux-être. C'était le groupe numéro 37 dans l'esthéticienne, la magicienne du mieux-être. Le thème qu'ils avaient choisi, leur formation, interprété par le CFA de la Chambre des métiers du Val-d'Oise. On peut encourager toutes ces jolies esthéticiennes de la ville d'Aubonne. La mise en scène est de Pascal Denisane. L'interprétation est de Stéphie Célia, Mélanie, Morgane, Mélanie et Madison. Et ces jeunes demoiselles sont en CAP esthéticienne.